Bah, c'est quelque chose qui se fait naturellement quand tu fais du breakdance. Malheureusement, comme le breakdance n'est pas beaucoup développé encore, il n'y a pas d'émission de télé, il n'y a pas tout ça. Les seules choses que tu peux faire avec le break, c'est t'entraîner et faire des battles. Donc voilà, on s'est entraîné dur pour enfin pouvoir rentrer dans les battles. Et en 2000, mon premier battle, c'était en 2000. J'ai commencé dès 2000 et après, on s'est plus arrêté jusqu'à. Mon dernier battle était en 2010. Donc j'ai fait de 2000 à 2010. Au Japon, le dernier, exactement. C'était un dernier championnat du monde au Japon. À Nagoya. En 2003, championnat du monde en Allemagne. Bon, on a fait championnat de France à Montpellier, ensuite championnat du monde en Allemagne à 2003, et ensuite on a enchaîné 5 fois d'affilée en Allemagne, en Angleterre, en Corée, au Japon. On a gagné un peu le championnat du monde de partout. Ah bah la première fois, c'était l'une des plus fortes émotions dans ma vie. J'en ai re-eu après par la suite, mais là c'était vraiment une première. J'avais 17 ans ou 16 ans, on dansait devant 15 000 personnes et c'était le championnat du monde. Donc là c'était vraiment une de mes émotions les plus fortes. On a gagné, on était tous heureux. Bon, dans le battle, on a un peu foiré un peu le show, donc on a eu l'ascenseur émotionnel. Après le show, on était tous en train de pleurer et tout, parce qu'on s'est dit ça, on a perdu, on va même pas aller au battle. Et après, on a eu la nouvelle qu'on était en finale, donc l'ascenseur a changé, on est redevenus tous contents. Et on a pris le titre comme ça, quoi. On a gagné directement par la suite. Ah, le Super Bowl, c'est bah, après, tout le monde connaît le Super Bowl pour l'événement le plus regardé au monde. Aux États-Unis, c'est le plus gros événement, c'est l'attente que tout le monde attend. Mais après, comme j'ai expliqué, pour nous, les Français, parce qu'on était. Trois Français donc quatre Français à danser pour le Super Bowl avec Madonna, et le reste étaient tous des Américains, donc tout le monde avait le stress sauf les Français, puisque nous on n'est pas dans le football américain, voilà, on s'en est même jamais intéressé. Et là pour moi c'était pas non plus une grande différence, je dansais tout simplement dans un stade. Bon, c'est vrai qu'il y a 70 000 personnes, mais ce qui est tout, j'avais déjà fait auparavant pour les JO, j'avais fait des ouvertures dans des stades, donc la compétition en elle-même ne me mettait pas le stress, c'était plutôt de danser, de réussir ce que j'avais à faire qui me mettait le stress. Mais après, bon, quand on a vu la suite, on a vu les médias, tout ça, quand on a vu que c'était 118 millions de personnes qui ont regardé, le stress n'était pas présent en ce moment, mais il a apparu peut-être après. On s'est dit, tiens, j'espère que ça passe bien la caméra, ce qu'on a fait. Voilà, mais bon, on était carré, on s'était entraîné 2 mois pour 3 minutes de danse. Donc le passage était carré, donc, voilà, on était très serein, les Français étaient très serein. Travailler avec Madonna, c'est comme travailler avec n'importe quel Américain qui sont au top de leur carrière. C'est du travail intensif. Vraiment, voilà, j'ai travaillé en France pendant très longtemps, et quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai l'impression que je découvrais le travail, en fait. Un Américain sait tout faire. Il sait jouer, il sait parler, il sait chanter, il sait danser. Il sait tout faire. En France, on te met dans une case, on te dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Tu veux être boulanger, alors sois que boulanger. N'essaye pas de faire d'autres choses, parce que sinon t'auras pas le temps. Alors que non, t'as envie d'être boulanger, danseur et footballeur en même temps, fais-le, gars, si t'as le temps, si t'as la force, si t'as tout pour faire, faut le faire. Donc c'est ça un peu la différence. Aux États-Unis, dès l'école, il y a des écoles de comédie musicale où ils t'apprennent à chanter, à danser, à tout faire. Alors qu'en France, à l'école, voilà, on t'apprend l'histoire géo, la grammaire, et on te dit, vas-y, tu veux faire d'autres choses, bah tu vas en école professionnelle. Non, on devrait avoir tout dans les écoles, normalement. Tu vois, c'est comme ça que les Américains sont en avance, ils sont trop loin devant nous. C'est parce qu'ils ont dû à tout à la naissance, en fait. Bah, jouer, c'est tout nouveau que j'aime bien. Avant, j'étais pas du tout dans ça. Moi, j'ai toujours dansé. Danser, on dit, on joue, mais sans parole, en fait. On arrive à transmettre des émotions et à faire comprendre des situations juste en dansant. Donc, c'est quelque chose que j'ai kiffé faire toute ma vie, que je kiffe encore. Mais maintenant, j'ai envie de passer un nouveau step. Et grâce aux comédies musicales, ça m'a mis un pied à l'étrier. C'est parce que, voilà. T'es sur scène, tu danses, mais aussi tu dois parler, aussi tu dois chanter. Donc ça t'amène à faire de nouvelles choses.
des choses que je faisais pas avant, donc c'est pour ça que j'ai accepté d'y faire. Que sinon, ça n'a jamais été ma cam, les comédies musicales. J'ai jamais été spectateur de comédies musicales, je me suis jamais vraiment intéressé à ça. Je m'y suis intéressé dès que Roberto est venu me chercher, là j'ai dit bon, pourquoi pas. C'est un next step, c'est une nouvelle chose, donc on va essayer. J'ai essayé Robin des Bois en étant juste derrière la scène, je n'étais pas sur scène. Donc j'ai kiffé parce que le projet était magnifique avec Matt Pokora, avec tous les danseurs qu'on avait, c'était exceptionnel. Mais dès qu'on a fini ce projet-là, les producteurs m'ont dit « Veux-tu revenir avec nous ? On refait encore ?» Je lui dis « Il n'y a pas de problème, mais par contre, il faut que je sois sur scène. » Parce que j'ai envie, moi, de m'exprimer. Je suis encore jeune, j'ai encore l'énergie, donc j'ai envie, à mon tour, d'être sur scène, et de parler, de chanter, de lever la voix. Et là, je le fais avec les Trois Mousquetaires et je kiffe, je prends un pied de fou. Hein. Ah, c'est de perdre ma famille. Ouais, c'est, voilà, moi, ce que j'aime le plus au monde, c'est ma famille, donc... Tant que ma famille sera là, j'aurai peur de rien, donc c'est cool. Ma plus grande peur, c'est de perdre ma famille. J'ai toujours partagé, que ce soit ma bouffe, ou que ce soit ma danse, ou quoi que ce soit. Je suis comme ça, c'est quelque chose que j'ai appris dans ma famille aussi. Hein, c'est ma famille qui m'a éduqué comme ça. Donc transmettre, c'est le bonheur. Quand tu vois quelqu'un qui s'épanouit en apprenant quelque chose, c'est que du bonheur, donc moi j'adore transmettre et c'est pour ça que j'ai tenu à ouvrir une salle pour pouvoir transmettre à tous ces petits jeunes qui n'ont rien à faire dans les alentours, voilà, qui viennent apprendre des choses et peut-être plus tard leur donneront un métier ou leur donneront au moins un savoir-faire. Si toi tu ressens qu'au fond de toi tu as vraiment l'envie et que tu penses pouvoir y arriver, il faut y aller, il faut se donner la chance. Si tu ne te donnes pas la chance, de toute façon bah, tu n'y arriveras pas, tu t'essayeras même pas. Donc, un conseil, c'est quand tu crois quelque chose, fais tout pour le faire et ça arrivera bien un jour ou l'autre.